nous reçoivent pour écouter, discuter tous les plans, sur le plan scientifique, sur le plan éthique, sur le plan réalisation, et arrêter ce chassé-croisé qui est infernal. D'accord. Alors, il y a des étudiants qui essaient de faire marcher le micro au premier rang et qui ont préparé des questions. Alors, vous vous présentez. Donc, il y a Sciences Po, il y a l'ESG. Vous êtes de ? De Sciences Po. Sciences Po. Et donc, je voudrais poser une première question justement à René Friedman au sujet des diagnostics préimplantatoires. En effet, je voudrais savoir quel est le degré d'information que vous communiquez aux parents au sujet de l'embryon. Savoir si le diagnostic préimplantatoire sert uniquement à détecter d'éventuelles pathologies lourdes. Et enfin, savoir si vous pensez que les différentes techniques de procréation assistée combinées avec les avancées en génétique permettent concrètement l'eugénisme. Alors, ouais, qui est clair et c'est large. Une grande question et vous avez raison de la poser. Justement, là on a le point positif de la réflexion française. C'est-à-dire qu'on a eu une réflexion pour fixer le cadre du diagnostic génétique préimplantatoire à des maladies d'une particulière gravité et incurables au moment du diagnostic. Donc, ça limite terriblement la pratique du DPI à des choses qui doivent être identifiées. Il y a en plus toute une procédure, puisqu'il y a un comité, je dirais, qui se réunit, qui doit accepter l'indication. Donc, c'est très cadré. C'est tellement cadré qu'il n'y a que 3 centres en France qui le font. Et on doit rendre compte de toutes les indications, des refus, des réalisations, des enfants, bien sûr, qui sont nés à l'agence de biomédecine. Là, j'ai envie de dire là-dessus, parfait. Parfait, on a une transparence, on sait ce qu'on fait, on peut revenir dessus et on peut avancer. Vous avez posé une question sur le génie, je vais y revenir après. D'abord, dans la pratique, pour dire que on est plutôt le problème éthique que nous avons aujourd'hui, c'est pas d'accepter de prendre en charge un couple qui a une maladie grave et incurable, mais c'est plutôt de lui dire on va vous prendre en charge, il n'y a pas de problème, mais dans 1 an et demi, dans 2 ans. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour prendre les couples en temps voulu. Et ça, de faire de la médecine à 2 ans d'écart, c'est absolument infernal. Donc on a demandé à ce qu'il y ait une aide, soit on fait effectivement cette technique, on la propose pour éviter que des enfants soient gravement atteints de maladies, si c'est le choix des parents et si ça rentre dans le cadre de la loi telle qu'elle est définie. Et donc aujourd'hui, on est en but à ça, les 3 centres français qui peut-être pourraient passer à 4 ou à 5, ou en tous les cas avoir plus de moyens. C'est quelque chose qui est en débat. Par rapport à votre question éthique sur l'eugénisme, alors c'est souvent effectivement un débat qui est nécessaire, et je crois qu'il faut être extrêmement vigilant là-dessus, mais dont il faut bien replacer les termes. L'eugénisme, c'est une volonté étatique qui s'adresse à tout le monde, et qui est collectif et qui est obligatoire. C'est-à-dire on décrète, n'est-ce pas, et on applique par la force, par la loi, par la persuasion, mais on applique que tous les enfants qui ont telle ou telle anomalie ne doivent pas naître. D'accord ? Et ça, c'est effectivement condamnable. Donc il faut laisser un espace personnel par rapport à ça et ne pas être dans le traquage de quoi que ce soit, simplement dans l'écoute et la compréhension et la discussion de ce qui peut se faire. Vous savez que il faut parler d'une diagnostic génétique préimplantatoire, mais aujourd'hui il y a 400 tentatives de diagnostic préimplantatoire en tout en France. Par contre, vous avez 11 à 15% des grossesses, de toutes les grossesses, des 800 000 grossesses, qui ont un diagnostic anténatale par amniosynthèse. Donc l'échelle n'est pas du tout la même, et le problème que vous posez fort justement sur l'eugénisme se pose à la grande échelle. C'est avec l'amniosynthèse. Avec toute la pratique du diagnostic anténatal, et qu'est-ce que nous voulons et comment, je dirais, ça peut être cadré ou pas cadré. Et en France, c'est cadré. Ce qui est assez intéressant de voir d'ailleurs, c'est que quand je regardais d'une année sur l'autre, il y a eu plus de demandes, mais il y a eu plus de refus. C'est-à-dire les comités médicaux, auxquels d'ailleurs les patients peuvent assister, n'ont pas accepté toutes les demandes. Hein, il y a tout un procédé qui fait qu'un couple peut être effrayé par la découverte de ce qui se passe, de la crainte d'une maladie. Ce n'est pas pour autant parce qu'il demande que c'est accepté. Il y a une espèce de lien. La demande, ce serait une interruption de grossesse, c'est ça ? Alors, quand il y a une proposition de traitement, bien sûr, elle est faite. Et parfois, il peut y avoir une demande d'interruption médicale de grossesse. Et ça, il faut un avis du comité.
Là, il faut un avis du comité, il faut l'avis de deux médecins, et surtout, je veux dire, il y a des demandes à laquelle les médecins ne répondent pas, et inversement, il y aurait des situations où les médecins voient avec l'énorme gravité tout ce qui se pointe, le couple ne le souhaite pas, et c'est son libre choix. Et dans ce sens-là, cette liberté-là, qu'il faut préserver, évite, à mes yeux, en tous les cas, de tomber dans ce qu'on peut appeler l'eugénisme qui serait imposé. Et c'est d'ailleurs pour ça, dernier point, qu'il n'y a pas de liste de maladies. Et ça, je trouve que c'est très bien. Parce qu'on aurait pu dire, ah bah oui, bah alors toutes les mucoviscidoses, les amyotrophies neurologiques et tout ça, ça fait partie du DPI. Non, aucune maladie, parce que c'est toujours, il faut laisser la liberté, et on peut très bien, je dirais, avoir des couples qui souhaitent, je dirais, ne pas intervenir médicalement et acceptent la nature telle qu'elle a été. Mais encore faut-il qu'ils en aient connaissance. C'est notre rôle. Mais est-ce qu'il y a des couples qui acceptent une trisomie, par exemple ? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Bien sûr, je dirais. Et d'ailleurs, vous savez qu'on est amené, et ça aussi, ce sont des points positifs, ça aussi, c'est du progrès. C'est que, avant de faire une technique de dépistage, nous sommes obligés d'informer, et d'ailleurs, il y a une signature qui est faite, que si on fait un dépistage, vous risquez d'avoir cette information, qu'est-ce que vous allez faire avec l'information ? En un mot, si de toute façon, vous ne changerez pas votre attitude, est-ce que ça vaut le coup de faire un dépistage ? N'est-ce pas ? Donc ça, par exemple, c'est une ouverture de liberté qui est fondamentale, n'est-ce pas ? Et sur laquelle il faut rester vigilant parce que rien n'est jamais acquis, bien sûr. Oui, rajouter que... Non, j'acquiesçais tout à fait au propos de René Friedman. Et c'est vrai que lorsqu'on a la possibilité d'hériter d'une maladie génétique grave, ça se pose dans mon entourage. Et pour les enfants, est-ce qu'on va vers le diagnostic de certitude et on se sait condamné à une déchéance terrible ? Ou est-ce qu'on renonce à ce diagnostic de certitude ? Et là, je crois que c'est un choix très délicat, et peut-être que l'abstention est encore... Vous ne pas savoir. Peut-être le seul espoir qu'on puisse laisser à une situation probablement dramatique. Est-ce qu'on a bien répondu à votre question ? Oui. Alors, bonjour, donc pour l'IAG. J'avais une question en fait qui s'adressait donc à l'ensemble des personnes ici présentes. Aujourd'hui, on considère les greffes comme des opérations salvatrices, ce qu'elles sont au vu de leur utilisation. On sait que de tout temps, il y a eu des problèmes éthiques qui sont posés. Ma question, en fait, elle est double. Est-ce que les problèmes éthiques étaient plus compliqués à gérer au moment où la greffe, il y a quelques années, ou est-ce qu'aujourd'hui, au contraire, ces problèmes éthiques sont beaucoup plus importants ? Et est-ce qu'on peut envisager que ce type de chirurgie pose encore de nouveaux problèmes éthiques, et dans quelle mesure ? Alors, Alain Carpentier, avant, il n'y avait pas de règle éthique, donc c'était le médecin, dans sa bonne conscience, qui décidait ? Oui. Quand il n'y a rien, votre devoir, c'est de faire quelque chose. J'ai vécu le temps du pionnierisme glorieux de la chirurgie cardiaque. Les malades mouraient, tout était possible. Ceci dit, ça ne veut pas dire... Je vais prendre l'exemple de la transplantation cardiaque, que j'ai vécu également. On ne peut pas dire qu'à l'époque, il n'y avait pas des problèmes éthiques, déjà. Il n'y avait pas les réglementations éthiques. Mais on se posait des problèmes éthiques. En particulier dans les premiers temps de la transplantation cardiaque, il fallait définir la mort. La définition de la mort n'existait pas. La définition de la mort, c'était l'arrêt cardiaque. Alors si vous gardez cette définition de la mort qui est l'arrêt cardiaque, il n'y a pas de transplantation cardiaque possible puisque vous avez besoin d'un greffon vivant. Alors là, ça a été le premier obstacle ou la première question éthique qu'on s'est posée. Après, il y avait la question de savoir à qui on va réserver le greffon disponible, parce qu'il y a beaucoup plus de besoins qu'il y a de possibilités. Et ça, c'est un problème éthique qui perdure aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un nombre limité de greffons, environ 320 par an, alors qu'il y a 10 fois plus de malades potentiels. Alors, est-ce qu'on va abandonner ces malades potentiels ? On ne va pas les abandonner parce que c'est là que, pour des raisons éthiques,
vous êtes poussé à dire mais il faut trouver une autre solution. On ne peut pas tolérer qu'un malade meure parce qu'il n'y a pas assez de greffons. D'où, si vous voulez, la démarche vers le cœur artificiel. C'est incroyable de penser qu'en notre siècle, alors que vous pouvez monter sur la Lune et peut-être explorer Mars, ou même sûrement explorer Mars, il n'y a pas sur l'étagère un cœur artificiel comme il y a actuellement, depuis 20 ans ou 30 ans déjà, des valves artificielles. Donc vous voyez que l'éthique vous pousse également à faire de l'innovation. Je crois qu'il faudra parler de l'éthique de la recherche et de l'éthique de l'innovation, parce que pour l'instant, on est en train de parler de l'éthique de la pratique, mais l'éthique de l'innovation, c'est aussi important. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Alors, bien sûr que l'éthique évolue. Je crois que je l'ai montré par simplement deux exemples. L'éthique évolue. Et quelle est l'éthique actuelle? Ben, c'est celle que j'ai soulevée. Qu'est-ce qu'on fait chez les malades qui ne peuvent pas avoir de transplantation alors qu'ils devraient en avoir? Mais les règles éthiques sont aujourd'hui, bien évidemment, mieux codifiées. Enfin, il y a eu tout un travail de fait et on voit mieux. Alors, c'est vrai que pour les greffes de visage, c'était quelque chose de nouveau, mais indépendamment de ces greffes de visage, est-ce que les règles d'éthique sont à peu près adaptées? Est-ce que l'éthique rencontre bien votre pratique? Oui, il y a deux aspects qu'il faut bien voir dans la greffe d'organes, et souvent on ne se positionne que du côté du receveur. Receveur, où on dit il faut le faire, il ne faut pas le faire, les greffes vitales, pas vitales. Est-ce que le rein est vital? Il ne l'est pas aujourd'hui puisqu'on a la dialyse, mais à l'époque où ça a été mis en place, il n'y avait pas encore la dialyse, donc c'était vital à l'époque. Toutes ces greffes sont justifiables médicalement pour le receveur si on reste dans le bon esprit du risque-bénéfice. Quel est le risque à faire cette greffe et quel est le bénéfice potentiel? Pour les greffes dites de visage, j'aime pas le terme de greffe de visage parce qu'on greffe pas un visage, on greffe une face, la structure anatomique que l'on greffe, et on restaure un visage. En France, on a deux mots et ces deux mots sont indépendants. Le bénéfice, c'est l'amélioration de la qualité de vie. Les patients qui ne travaillaient pas, qui ne pouvaient pas travailler, qui maintenant travaillent, qui ne pouvaient pas sortir dans la rue. Le risque, et bien sûr le risque d'une transplantation avec les risques immunologiques, les risques sceptiques, tout ce qui va avec. Il y a l'autre aspect qui est l'aspect du donneur. Vu le problème que nous avons aujourd'hui, qui est le manque de greffons, parce que le don d'organes est quand même limité aux états de mort cérébrale, peut-être qu'on peut encore l'améliorer. Il y a des pays qui ont résolu ce problème-là. La Chine, par exemple, est un pays qui a parfaitement résolu ce problème dans son esprit, puisque ce sont les condamnés à mort qui sont tous des donneurs potentiels. Et c'est même plus que ça, puisque en Chine, le don est pas est extrêmement clarifié, puisque on va faire l'exécution quand on a le receveur. Ce qui est encore plus simple en termes de greffe, en termes d'efficacité. C'est vraiment vrai, ça? Ça se passe réellement oui, comme non, ça? Oui, non, c'est vrai. Oui. Non, il n'y a pas à se poser de questions par rapport à ça. C'est effectivement le cas. Le dernier condamné à mort européen, qui était un Anglais, tous ses organes ont été prélevés. Il n'était pas consentant avant à donner ses organes. En France, vous avez un consentement supposé, ce qui est déjà un problème auquel il a fallu réfléchir. Si vous n'êtes pas, il faut savoir, si vous ne vous êtes pas opposé de votre vivant au don d'organes, vous êtes potentiellement donneur. C'est le principe qui a été établi. Vous pouvez vous opposer de votre vivant et être sur la liste nationale des refus, ce que je ne pense pas que c'est une bonne chose, mais enfin bon, vous êtes libre de le faire. Et cet aspect-là, on l'oublie. Et donc, la greffe en tant que telle n'est possible que s'il y a des donneurs. Et les donneurs, on ne peut pas non plus utiliser tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on a des receveurs. Ce n'est pas un marché. On a bien dit, on ne peut pas vendre une partie de ses organes et on ne peut pas avoir un organe qui va aller prendre, comme il le veut, à droite et à gauche, une organisation qui va le faire. En France, est-ce qu'il y a des cas de vente d'organes? Non. D'achat de l'étranger de greffe en France? Non. Ok. Alors, la France est vraiment un pays qui a probablement un des systèmes les mieux contrôlés pour ça, et c'est certain que ce n'est pas le cas. Et est-ce qu'il y a des Français qui vont se faire opérer à l'étranger? Ça, c'est possible. Par rapport à l'évolution de l'éthique et par rapport à ce que tu disais, il faut se rappeler que Pasteur, le grand Pasteur, avait proposé, au roi du Brésil à l'époque, justement de tester les vaccins sur les condamnés à mort, justement en disant que voilà, s'ils s'en réchappaient, ben, ils auraient la vie sauve. Donc
On voit bien que ce genre de choses ne serait pas possible aujourd'hui. Et je veux dire, il y a donc une évolution. Et alors, est-ce que c'est, alors, les règles éthiques que vous évoquiez, et souvent on s'est exprimé les uns les autres, finalement, ce sont des, il faut rester sur les grands principes, je crois. Il faut rester sur les grands principes qui est de ne pas nuire à autrui, de ne pas utiliser l'autre, de ne pas commercialiser effectivement le corps humain. Ça, ce sont, ou les parties du corps humain, ça, ce sont les grands principes. Puis ensuite, les déclinaisons, elles se font un petit peu variables, peut-être dans selon les cultures, les pays et les choses comme ça, et surtout les règles administratives. Mais il ne faut pas confondre l'encadrement, qui est un encadrement nécessaire, n'est pas forcément éthique. Les règles éthiques, elles doivent être justement que des grandes règles. Sinon, on tombe dans la maîtrise de la pratique et on empêche justement des évolutions. Et le principe de précaution, est-ce que c'est un frein ou pas ? Est-ce que... On dirait bien que tu as répondu à la... Le principe de précaution, oui, je pense que c'est un frein. Il a limité considérablement, par exemple, notre action chirurgicale. Les mesures qu'on impose maintenant en salle d'opération sont d'un coût extraordinaire pour un risque qui, quelquefois, est à la limite de l'inappréciable. Chez nous, en ophtalmologie, la crainte, c'est le Creutzfeldt-Jakob, maladie hérédo-dégénérative rarissime, qui fait que maintenant, toutes les sondes sont jetées, même si elles valent 1000 euros. Hein, et on n'utilise 15 sondes par jour. Le principe de précaution, là, est vraiment, je dirais, poussé à l'extrême et frise le ridicule. Non seulement le ridicule, mais empêche d'avoir de l'argent pour faire autre chose. Alors là, je crois qu'il y a aussi une interprétation. Pour revenir tout à l'heure à l'éthique et le frein dans la recherche scientifique, je dirais qu'en matière de greffe, moi, je n'ai fait que des greffes de tissus. Les greffes de cornée ne sont pas des greffes d'organes. Mais n'empêche que la chaîne qui va du donneur jusqu'au receveur est strictement la même. Je dirais que là, l'éthique, quand l'éthique s'est emparée de ce domaine, elle a apporté énormément de choses et une tranquillité de la part du chirurgien, qui finalement, s'il est le responsable de l'indication de la greffe, il n'a pas à choisir son malade. Il est sûr d'avoir un greffon de qualité. Et il est sûr aussi de ne pas avoir bénéficié d'un greffon pris en cachette chez un donneur qui n'est pas conscient de son don, il a pu être le donneur, ou alors de la famille, car on demande à toutes les familles, même si le donneur, le patient décédé a fait don de sa cornée à la Banque française des yeux, on demande à la famille s'il n'y a pas une opposition au prélèvement des yeux. Donc il y a là, si vous voulez, je dirais une clarification, une transparence sur la chaîne qui rend cet exercice beaucoup plus facile qu'autrefois. Merci. Alors une troisième question de Maxime. Maxime, et vous êtes de quelle école ? De l'ISG. L'ISG. Alors, vous avez tous l'air de nous parler des obstacles que vous rencontrez, notamment face aux lois qui vous empêchent de, entre guillemets, travailler. Comment faire changer ces règles si strictes ? Vous semblez avoir trouvé le problème. Maintenant, est-ce qu'il y a des... Vous avez des idées ? Et comment faire pour que vous puissiez réaliser tout ce que vous avez envie, accélérer les procédures et puis continuer à guérir les patients. Est-ce qu'il faut un comité inter-agence, inter-institutionnel, comme il y a des comités interministériels ? Mais moi, je dirais d'abord, il faut déjà souffler une idée forte, qui est celle du soutien à l'innovation, du soutien à la recherche, d'arrêter d'avoir peur de prendre des risques, de penser que le risque zéro, est obligatoire. Il faut donc insuffler, et soutenir, surtout parmi les plus jeunes, cette idée un peu générale. Et le reste devrait décliner. Et encore une fois, être plutôt des... Il doit y avoir des organismes d'accompagnement, mais pas des organismes de contrôle, avec des gens qui se croient obligés d'être, les équivalents des chercheurs, mais plutôt sur un versant négatif. Ensuite, puisqu'on est rentré, effectivement, c'est là un peu la difficulté, puisqu'on est rentré dans tout un tas de créations, d'agences, de modes de fonctionnement, il faut revisiter, ce mode de fonctionnement, puisque tout le monde se plaint de ça, et pouvoir, on ne va pas en sortir, puisque là, on ne pourra plus en sortir. Mais il faut, l'adapter, puisqu'on se rend compte que là, il y a un côté négatif qui est en jeu. Il faut donc l'adapter pour en faire quelque chose de plus souple
et de ne pas vouloir tout contrôler dans le détail. À partir du moment où il y a une notion qui est fondamentale, il faut que les personnes soient conscientes et consentantes à tout ce qu'on leur propose. Il faut donc qu'elles aient l'information. Ça, ce sont des règles qui doivent être absolues. Puis après, je dirais, ben voilà, il faut laisser un peu les professionnels et leurs organismes et leurs collectifs œuvrer. Un consentement éclairé. Quand on a dit éclairé, c'est pas évident. C'est pas facile de donner un consentement quand même en connaissance de cause. Est-ce que la justice parfois se mêle du débat? Est-ce que vous risquez des procès? Est-ce que ça peut arriver? Oui, la justice peut bien sûr se mêler du débat, mais lorsque les choses ont été faites correctement, il est rare qu'il y ait des problèmes juridiques derrière des problèmes de recherche. Et il n'y en a tellement pas qu'on peut se poser la question de justement le on est allé tellement loin en termes de protection que finalement il y a plus de possibilité aux juristes de faire quoi que ce soit. Donc il va trouver sur autre chose, parce que les juristes essaient toujours de trouver quelque chose sur lequel ils vont pouvoir vivre. Moins en France qu'aux États-Unis, mais aux États-Unis, même sur où il y a des principes qui sont aussi stricts, mais où l'innovation est beaucoup plus stimulée, il n'y a pas beaucoup de procès sur des problèmes d'essais thérapeutiques, sauf quand il y a eu des faux, sauf si le scientifique lui-même a caché des données, et c'est un des gros problèmes actuellement sur les publications, en particulier nord-américaines, caché des données sous prétexte de collusion avec telle ou telle industrie ou tel problème. Il y a deux choses, à mon sens, qu'il faut bien retenir, ce que disait M. Friedman, deux choses qu'il faut bien retenir sur les grandes bases de l'éthique, c'est d'un côté le principe de bienfaisance, qui est un principe que nous essayons tous de porter, et à partir du moment où on analyse un dossier en disant a priori on veut faire le bien, et l'autre principe qui est l'autonomie de la personne. A priori, toute recherche éthique doit être dans le cadre de l'autonomie de la personne. Bien sûr, il y a des recherches où il n'y a pas possibilité d'autonomie, quand il y a des urgences, etc., mais c'est des cadres très particuliers. Si ces deux grands principes ont été respectés, aussi bien dans le process pour faire la technique, et s'il y a bien la partie éthique du consentement, toute la partie administrative qu'on nous impose est indéniablement beaucoup trop lourde. Beaucoup trop lourde. Il y a un moment où ce sont des gens qui ne sont même pas des experts qui nous disent ce qu'il faut faire alors qu'ils n'y connaissent vraiment rien. Sous prétexte que c'est l'administration qu'il faut dire quelque chose. Mademoiselle. Ah, vous avez touché le micro, il ne marche plus. Allez-y. Bonjour. Oui. Donc, Audrey de l'ISTH. Donc, j'avais une question à poser à Monsieur Yves Pouliken. Donc, aujourd'hui, les progrès scientifiques et technologiques permettent d'aller toujours plus loin donc, dans la guérison des pathologies ophtalmiques. Et on va donc soit des lentilles souples pour les pathologies moins graves ou greffes dans les cas les plus graves. L'homme en pousse toujours plus loin, donc la maladie. Et qu'en est-il de la cécité à la naissance? Peut-on imaginer, dans certains cas, pouvoir rendre la vue, entre guillemets, à ceux qui ne l'ont jamais eue? Bien, vous m'offrez là un très beau programme. Mais je reviendrai d'abord sur ce qui existe présentement. C'est vrai que l'ophtalmologie a fait beaucoup de progrès. Mais rien que des aveugles curables par la cataracte, savez-vous combien il y en a dans le monde non opérés encore actuellement? Il y en a 30 millions qui n'ont pas les médecins, qui n'ont pas les infirmières, qui n'ont pas les possibilités d'être opérées. Donc vous voyez qu'avant de s'occuper des problèmes complexes, nous avons des problèmes courants communs. D'autre part, il faut savoir que vous êtes optimiste en disant que l'ophtalmologie règle tout. Deux maladies se présentent à nous monstrueusement cécitantes. Cécitant n'est pas français, mais allant jusqu'à la cécité. Et c'est le glaucome et le diabète. Le diabète sera le grand pourvoyeur de cécité dans les années à venir. Alors vous voyez que dans le travail courant, il y a beaucoup à faire. Alors vous posez une question intéressante, Diderot se l'est posée. Est-ce qu'un aveugle de naissance peut revoir? Et Diderot même était allé jusqu'à faire la connaissance de Jacques Daviel qui est un immense ophtalmologiste français, universellement connu, qui a inventé une manière moderne d'opérer la cataracte. C'est-à-dire qu'avant, on abaissait la cataracte dans l'œil. Lui, il a pris l'initiative d'ouvrir l'œil, d'enlever le cristallin. Bon, Jacques Daviel était célèbre à l'époque, c'était sous Louis XV, et Diderot lui a dit, vous allez opérer ce brave homme qui est aveugle depuis sa naissance. Daviel a opéré devant Diderot ce malade, et dans les jours qui ont suivi, le malade ne voyait strictement rien. Et
Daviel, irrité, le bousculant un peu, lui dit « Mais enfin, vous ne voyez rien ?» Et il a dit « Mais non, je ne vois rien. » Pourquoi ? Parce qu'un aveugle de naissance, il est aveugle pour deux raisons. J'élimine tout ce qui concerne le cerveau, je me rapproche de l'œil. Il faut que l'œil soit normal à la naissance pour que se développe dans le cerveau tout l'organe, toute la voie visuelle. Si cet œil n'est pas voyant à la naissance, il n'y aura pas de voie nerveuse liée à cet œil, ou du moins un grand désordre. Et pour citer un exemple bref, quand on dit qu'on ne voit pas bien d'un œil parce que depuis la naissance, c'est qu'en général on a ignoré qu'un œil ne voyait pas, on a oublié de le rééduquer, et cette rééducation ne peut être faite que dans les premières années, et c'est pourquoi la voie nerveuse liée à cet œil ne donnera jamais de vision. Si bien que le problème que vous posez est très difficile, parce que ça voudrait dire qu'on soit capable, dans les jours qui suivent la naissance, de recréer les conditions de fabriquer un œil. Alors vous me direz, on connaît les gènes directeurs, les gènes architectes qui maintenant sont capables de faire un œil, et le gène qui s'appelle Ailes de la drosophile, la petite mouche du vinaigre, est très proche du gène Paxis qui fait notre œil. Et si on savait dominer le génome pour fabriquer un œil, oui, on pourrait peut-être très rapidement, à partir d'une implantation génétique ou transformation du génome du patient, recréer un œil. Mais vous imaginez qu'après, cet œil devrait recevoir une image. Car, chose aussi extraordinaire, c'est une image, c'est-à-dire quelque chose de virtuel, obtenu sur quelques photorécepteurs, les quelques cônes qui sont sur la macula, qui organise l'architecture de deux formations, le corps genouillé et aussi le cerveau postérieur, comme si l'on rangeait des livres dans une bibliothèque d'une façon particulièrement harmonieuse. Si on n'a pas cette image, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de livre, c'est un désordre, c'est un tas inexploitable, et donc vous voyez que le problème, il n'est pas pour demain. La recherche sur le génome, on en a eu de recréer des organes, alors on ira, je crois, peut-être une question sur le clonage, mais est-ce qu'on avance, qu'on en parle depuis longtemps, à partir d'une cellule première, on va dire, est-ce qu'on pourra recréer des organes à court terme? Alors, avec les risques, là c'est vraiment une innovation forte. Oui, là on est vraiment depuis quelques années sur une possibilité, mais je dis bien une possibilité, mais qui semble quand même passionnante, qui est celle non pas de transplanter les organes, mais celle de recoloniser des organes malades par des cellules qu'on appelle les cellules souches. Alors effectivement, ces cellules souches sont à l'origine de toutes les autres, selon leur définition, et comme vous le savez, on en trouve bien sûr à l'étape de l'embryon, qui maintenant est donc visible in vitro et manipulable pour certains, et on en trouve aussi dans l'organisme adulte, dans certains organes, il existe des cellules souches, et puis il est possible qu'on sache recréer des cellules jeunes, des cellules souches, à partir de cellules adultes en leur injectant un certain nombre de gènes qui les dirigent vers tel ou tel. Si bien qu'aujourd'hui, c'est vrai que fabriquer du cartilage, fabriquer des muscles cardiaques, fabriquer, je dirais, des cellules hépatiques, est un projet qui se met en place dans le monde, dans plusieurs équipes. Il n'est pas encore réalisé, sauf pour, par exemple, la peau, qui, je dirais, bénéficie aujourd'hui, pas de toute la peau, mais, je dirais, d'une partie de la peau qui peut bénéficier, justement, de la thérapie cellulaire. Et donc, thérapie cellulaire veut dire donc de transplanter des cellules. Ces cellules peuvent être donc soit simplement transportées d'une personne à l'autre, mais c'est surtout donc dans la création d'un tapis cellulaire à partir des cellules souches qu'on peut penser en tous les cas qu'il y a un avenir. En tous les cas, beaucoup de gens s'y lancent et c'est là, je dirais, il faut vraiment soutenir cette direction. Il y a eu des obstacles parce que pendant un temps, on a pensé que seules les cellules souches embryonnaires étaient possibles, et ça soulevait les questions éthiques de qu'est-ce que l'embryon, n'est-ce pas ? Le statut de l'embryon. Oui. Le statut de l'embryon. Aujourd'hui, des cellules embryonnaires continuent à être travaillées dans certains laboratoires, mais d'autres voies se font jour. Elles doivent être comparées à ce standard qu'est la cellule embryonnaire et peut-être donc des développements. En France, la recherche sur l'embryon est toujours interdite. Alors,
Voilà, là on est typiquement français. Là. La recherche Merci. Sur l'embryon est interdite. Mais, à titre exceptionnel, n'est-ce pas, et pendant une durée de 5 ans, elle peut être autorisée. Alors, c'est-à-dire. En clair, voilà. Est-ce que c'est clair, monsieur l'ophtalmo? Est-ce que vous y voyez clair? Ben justement, on voit très clairement que c'est vraiment se gratter l'oreille gauche avec la main droite. Plutôt que de dire la recherche sur l'embryon est autorisée, mais doit être encadrée, n'est-ce pas? C'est du positif, mais on ne fait pas n'importe quoi. On dit c'est interdit, toutefois ça peut être autorisé. Ah, il y a un petit souci là. Il y a une femme qui fait un malaise. Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? On a que des spécialistes. Mais il faut la coucher d'abord. Couchez-la. Mettez-la par. Allongez-la. Voilà, allongez-la. Allongez-la. C'est les médecins qui parlent. On a un cardiologue. Les pieds en l'air. La tête en bas, les pieds en l'air. J'ai dit des conneries. Ce qui préside chez nous, c'est la méfiance. Mais oui, on est un pays de méfiance. Oui. Écoute, j'étais spécialiste de microscopie de laser et psychologie. J'ai été le premier à lancer le même aux États-Unis. Dites-nous si ça va mieux. Alors attendez, parce qu'on va vous apporter un micro, mais alors juste encore une question. Alors est-ce qu'on peut compter. Attendez, il y a un ordre. On va vous apporter un micro, mais c'est la dame qui a le micro. Alors allons-y. Vous avez profité de l'incident, c'est bien. La question. Attendez, on va vous apporter un micro. Personne n'entend, on n'entend pas. Non, mais je peux répéter la question qui a été posée. Sur... Il n'y a plus de micro nulle part. On peut remettre les. Voilà. Oui. Alors, quelle était la question alors ? La question était, est-ce qu'avec cellules souches, on pourra faire tout un visage ? Comme le disait M. Friedman, on est quand même au début. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie tissulaire. À partir de cellules souches, on va ensemencer une matrice pour essayer de reconstruire un organe. Lorsque c'est quelque chose de relativement simple, au point de vue tridimensionnel, au point de vue de la peau, alors la peau c'est déjà assez complexe, mais si vous ne faites que l'épiderme ou le derme en dessous, vous pouvez, parce que c'est juste des couches. Si vous voulez commencer à faire du cartilage sous la forme d'une oreille, alors il va falloir faire une matrice collagénique, vous allez ensemencer du cartilage et vous pouvez avoir la forme d'une oreille. Ça a été fait il y a 10-15 ans, on avait implanté ça ensuite sur des souris nudes dans le dos et on a vu cette belle image de cette souris qui se baladait avec une oreille, une pseudo-oreille de forme humaine dans le dos de la souris. Ça fait 15 ans que cette souris se balade avec son oreille dans le dos et on n'a pas toujours réussi à la mettre chez nous. Parce que derrière, la complexité est plus importante, c'est-à-dire que la structure anatomique est beaucoup plus difficile. Lorsque moi je m'occupe de tissus composites, c'est-à-dire de tissus où il y a de la peau, du muscle, des nerfs et la structure anatomique en dessous. Donc on est probablement au bout de l'échelle de ce qui est possible en termes de tissue engineering. Il est très probable que sur des choses relativement plus simples, entre guillemets, comme par exemple le pancréas, hein, les greffes de cellules de l'îlot pancréatique, on va pouvoir faire quelque chose où on peut isoler une structure qu'on va pouvoir implémenter qui va donner la fonction endocrine du pancréas et résoudre le diabète. Le foie, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a une entrée et une sortie, une structure anatomique. Le rein, c'est aussi un peu plus complexe, mais un certain nombre de fonctions comme ça doivent pouvoir être restaurées. Lorsqu'on retrouve sur les structures externes, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'il faut en plus que l'aspect corresponde à quelque chose. Ça va mieux, cette personne a retrouvé ses sens. Non, sur les cellules souches, la différenciation des cellules souches et la production